des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré boulot de tout saboter. Démé, prends ce lance-fusée. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Ne tire que quand on doit passer à l'attaque. N'oublie pas, nos vies dépendent de ton jugement. C'est la guerre. Une grosse machine dégueulasse. Sans répit. Sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. Plus rien à craindre de vous maintenant. On doit se débarrasser de ces canons. Les Allemands avaient tout, et on n'avait presque rien. On devait
devait donc voler leur équipement pour l'utiliser contre eux. Il y avait forcément des explosifs dans les environs. Nous allons repousser les lignes ennemies. Ce sera pas facile. De ces canons.
Il faut qu'on soit fort. Ne bouge pas! Poussez plus fort! Soldat! Détache-toi de la porte! On va utiliser ce canon! Soldats d'élite super équipés comme les Allemands. Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté.
la volonté de gagner quel que soit le prix. Et la victoire nous a coûté cher, en sang, en sacrifice et en vie humaine. Idrissa! Oh mon Dieu! Idrissa! Réponds-moi! Idrissa! Regarde, Idrissa. Nous sommes des rois. Nous sommes fiers de vous et de ce que vous avez accompli. Merci, mon commandant. Faisons une photo pour la postérité. L'armée française a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs.
Ils les ont remplacés par des visages plus familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait et à quel prix. Et j'en suis fier.